Bonjour et bienvenue à Bordeaux. Cette ville des bords de la Garonne est la capitale de la région Aquitaine et la 5e ville de France. Une 60aine de kilomètres la sépare de l'Atlantique et elle est à environ 250 kilomètres de la frontière espagnole. Bordeaux est le centre culturel et économique du Sud-Ouest, une ville qui bouge. L'agglomération bordelaise compte environ 700 000 habitants qui travaillent entre autres dans l'électronique, l'aéronautique, l'industrie chimique et dans le commerce bien sûr. Qui ne connaît pas les vins de Bordeaux ? Ils comptent parmi les plus réputés au monde. La Grosse Cloche, l'ancien beffroi de la ville, a longtemps rythmé la vie des Bordelais. La cathédrale Saint-André, où Aliénor, la riche héritière du duché d'Aquitaine, s'est mariée avec Louis VII. 15 ans plus tard, après son divorce, Aliénor se remarie avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. À la suite de ce mariage, Bordeaux devient anglaise et le restera durant 3 siècles. Bordeaux, une cité à la beauté classique. Le grand théâtre, au cœur de la ville. Un chef-d'œuvre de l'architecte Victor Louis. La place de la Bourse, avec son magnifique ensemble architectural, couronné par la fontaine des Trois Grâces. De splendides balustrades et balcons de fer forgé ornent les façades des 18e et 19e siècles. Ces maisons témoignent d'un passé riche. Les Trois Croissants, l'emblème de la ville. Le pont de pierre, long de 486 mètres, enjambe la Garonne. La célèbre Aliénor d'Aquitaine. Elle était héritière du duché d'Aquitaine. Être héritier ou hériter de quelque chose, c'est être en position de recevoir l'argent ou les propriétés de ses parents, de sa famille ou d'une personne proche. Dans le cas d'Aliénor, il s'agissait de propriétés et d'un titre, un duché. Le duché, Herzogtum, le duché. Aliénor était très moderne pour son temps. Ne désirant pas rester auprès de son mari, elle a demandé le divorce, l'annulation de son mariage. Bordeaux est réputé dans le Sud-Ouest pour ses nombreuses écoles et universités. C'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui une étudiante. Voici Sophie. Bonjour, je m'appelle Sophie Mourazzani, j'ai 20 ans et je suis étudiante au lycée technique d'hôtellerie et de tourisme de Bordeaux-Talence. Je suis actuellement en BTS, je prépare un brevet de technicien supérieur. Parmi les deux filières possibles, j'ai choisi la restauration. Durant ma scolarité, j'ai fait 2 stages de 4 mois et je viens d'en finir un dans un grand restaurant parisien. Aujourd'hui, j'ai cours en relations sociales et humaines. Suivez-moi. Sophie est en 2e année de BTS. Elle a cours tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, bien sûr. Son emploi du temps est partagé entre les matières pratiques et les matières théoriques. Les rapports avec le récepteur sont différents, effectivement, selon le type de communication. Pour préparer ses étudiants à la vie professionnelle et au contact avec les clients, le lycée hôtelier met l'accent sur les relations sociales et humaines, surtout ce qui tourne autour de la communication. Il y a une autre qui ? Récepteur. Ça fait référence à quelle notion ? L'efficacité. Oui. La technique aussi. C'est la technique, voilà. Alors, le canal, c'est le médium. Les cours du matin sont terminés. Sophie et ses amis en profitent pour se retrouver dans la cour de l'école. Un moment de détente avant le repas de midi. Vous avez fait un contrôle de connaissance avec qui ? Non, eux. Moi, j'avais pas. Je suis allée déjeuner au self de l'école.
La cuisine et le service y sont entièrement organisés et tenus par les élèves du lycée. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, vous avez des paupiettes, du chou-fleur en gratin, des frites et des steaks. Je vous prends des paupiettes. Oui. Alors, comme légumes, du chou-fleur. Et après le repas, je suis passée voir le cours de sommelier. Alors ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à d'habitude. Tenir ce bouchon et pour ne pas expulser de vin. Hein. Mmh. Voilà. Pourquoi dois-tu sentir le bouchon du vin après l'avoir débouché ? Pour confirmer que le vin n'est pas bouchonné ou n'a pas pris un goût de liège. Voilà. Sophie prépare un BTS, un brevet de technicien supérieur, au lycée technique d'hôtellerie et de tourisme de Bordeaux-Talence. Elle aura, à l'issue de ses études, à la fin de ses études, un poste à responsabilité dans un restaurant, puisqu'elle a choisi la spécialisation restauration, qui comprend la technique de la cuisine et du service, et la théorie, le droit, la comptabilité et la gestion. La gestion. Verwaltung, Geschäftsführung. La gestion. Nous avons vu différents aspects de la vie du lycée hôtelier. Un cours théorique d'une part, mais aussi un cours de sommelier. Le sommelier. Kellermeister. Le sommelier. Les élèves y apprennent, par exemple, à débouchonner, à ouvrir une bouteille de vin à la perfection, avec un tire-bouchon, bien sûr. Et que fait-on une fois la bouteille ouverte ? On sent le bouchon, car le vin ne doit pas avoir pris le goût du liège. Le liège. Cork. Le liège. Le lycée a un proviseur, un directeur sympathique, M. Prosperi, qui m'a parlé de son établissement. Merci. Monsieur Prosperi, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, quels sont les critères pour l'entrée à l'école ? Alors, le lycée hôtelier de Talence accueille 786 élèves qui sont issus soit de la troisième de collège, soit d'un baccalauréat. Les élèves qui sont issus de la troisième préparent un bac technologique ou un bac professionnel hôtellerie-restauration. Ceux qui sont issus d'un baccalauréat général préparent, eux, un BTS hôtellerie-restauration ou un BTS tourisme. Alors, les critères de recrutement, tout d'abord, nous recrutons sur dossier scolaire, c'est-à-dire que nous examinons le passé de l'élève et nous choisissons les meilleurs. Ensuite, parmi ces dossiers, nous sélectionnons à partir d'un interview. Nous sélectionnons en général, pour recruter une soixantaine d'élèves, nous sélectionnons 200 dossiers. Et quelles matières enseigne-t-on à l'école ? Alors les matières enseignées, ce sont les matières d'enseignement général que nous retrouvons dans tous les lycées français, à savoir les langues, le français, la gestion, les mathématiques, et en plus des matières purement professionnelles telles que l'hôtellerie, avec la cuisine, la réception et le restaurant. Donc tout ce qui tourne autour des vins, de la gastronomie et également de l'hébergement. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le milieu professionnel ? Alors tout d'abord avec le milieu professionnel, eh bien le lycée hôtelier est professionnel puisque nous avons à notre disposition un restaurant d'application qui accueille du public, donc tous les jours à midi et le soir, et ce du lundi jusqu'au samedi. Et en plus nous avons un hôtel 3 étoiles qui comporte 30 chambres.
avec accueil également du public, mais cette fois 7 jours sur 7. Alors, le milieu professionnel également nous est utile puisque chaque année nous envoyons environ 450 stagiaires, soit en France, soit à l'étranger, essentiellement à l'étranger en Grande-Bretagne, quelques-uns également en Allemagne et aussi en Californie. De quelle région vos élèves sont-ils originaires ? 90%, 95% des élèves sont originaires de la région Aquitaine, puisque nous sommes lycées d'État et les lycées, à l'heure actuelle, eh bien, dépendent de la région. Où vos élèves s'établissent-ils ? À Bordeaux ou dans la région ? Les élèves ne s'établissent pas obligatoirement à Bordeaux. En général, ils commencent par aller dans des entreprises qui sont soit réparties sur la France, voire à l'étranger. Et c'est au bout de quelques années, lorsqu'ils ont fait leurs preuves, soit dans un grand groupe, soit chez des restaurateurs particuliers, qu'ils s'installent. Et à ce moment-là, on les retrouve aussi bien en région Aquitaine, mais également dans d'autres régions, voire à l'étranger. Le vignoble bordelais et la Côte d'Argent attirent bien évidemment des vacanciers, des visiteurs. Comment voyez-vous l'avenir du tourisme ? La région Aquitaine est une région qui a de nombreux atouts. Comme vous l'avez dit, il y a la mer, il y a les plages. C'est une région relativement sauvage. Il y a également, bien évidemment, certains sites tels que la Dordogne ou les Landes, qui sont des sites très particuliers. Il y a également la région viticole qui attire beaucoup. Et je crois que l'avenir de la région Aquitaine est un avenir assez reluisant, puisque, en plus, la région s'occupe de mettre en valeur ces différents sites. Il existe, entre autres, un comité régional du tourisme avec lequel nous travaillons très souvent, puisque nous avons également, en plus de nos élèves d'hôtellerie-restauration, des élèves qui préparent un BTS tourisme. Donc je crois que l'avenir est quand même très positif. Monsieur Prosperi m'a expliqué comment a lieu le recrutement. Le recrutement, c'est la sélection des élèves et étudiants dans son lycée. Pour pouvoir y entrer, il faut présenter son dossier scolaire. Le dossier scolaire, c'est un document qui contient les notes de l'élève depuis son entrée au collège, depuis l'âge de 10 ans. Après l'étude de ce dossier, les candidats sélectionnés viennent se présenter au lycée. Et c'est ensuite que les responsables choisissent leurs futurs élèves en hôtellerie ou en restauration. Mais de quelles écoles viennent-ils, ces élèves ? Il y a deux possibilités, deux niveaux différents. Soit ils quittent le collège à 15 ans, après la troisième, pour préparer au lycée technique un bac technologique ou professionnel. Soit ils quittent le lycée normal, à 18 ans, après le baccalauréat, pour passer un BTS, comme Sophie. L'école de Talence est un lycée. On y enseigne, on y apprend les matières classiques comme les langues, le français, etc. Mais en plus, les matières professionnelles. Comme le dit Monsieur Prosperi, tout ce qui tourne autour des vins, de la gastronomie et également de l'hébergement, de l'hôtellerie. C'est pourquoi le lycée a un restaurant d'application. Les étudiants y mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris avec de vrais clients. Même chose pour l'hôtel que l'on trouve dans les guides touristiques. Mais tout cela ne suffit pas. Chaque élève doit partir en stage, de préférence loin de Bordeaux, comme Sophie, qui vient d'en terminer un à Paris. À la sortie de l'école, les jeunes diplômés vont probablement partir en France, voire, c'est-à-dire ou même, quelque part à l'étranger. Ils devront d'abord faire leurs preuves, ça veut dire montrer ce qu'ils savent vraiment faire. Je vous propose d'aller retrouver Sophie, qui a fait un tour en ville. Samedi après-midi, en plein centre de Bordeaux, rue Porte d'Ijoux. Sophie profite de son temps libre pour faire les magasins, en particulier les librairies. En effet, ce week-end est consacré à la fureur de lire, une action qui a lieu une fois par an et dont le but est d'inciter les Français à la lecture. Oui,
Mais Sophie ne fait pas que lire. Elle a des projets et des passions. Bonjour Sophie, nous nous retrouvons chez vous. Et vous allez me parler un petit peu de vos projets d'avenir. Dans un premier temps, je compte partir de Bordeaux, parce que c'est une ville qui est assez limitée en matière de travail. Ensuite, trouver une grande ville pour faire plusieurs entreprises. Et d'ici un ou deux ans, partir à l'étranger, soit dans l'Europe, soit ailleurs, aux États-Unis ou en Australie, ce qui me plairait assez. Et si le travail me plaît là-bas, y rester, ou si je suis déçue, rentrer en France et trouver un travail. Donc vous seriez prête à bouger ? Oui, tout à fait. Étant donné que j'ai été amenée à bouger durant ma jeunesse, puisque mon père était militaire, je suis partie à Tahiti 2 ans et demi, et lorsque nous sommes revenus en France, j'ai fait 7 ou 8 villes dans le sud de la France, et j'aimerais en découvrir d'autres. Est-ce que les femmes ont les mêmes possibilités professionnelles que les hommes ? En matière d'hôtellerie, oui, mais la matière que je fais actuellement, c'est la restauration, et c'est un milieu assez machiste dans lequel il faut faire ses preuves avant d'arriver à un poste important. Donc il faut compter environ 1 ou 2 ans de difficultés avant d'arriver à faire ce que l'on veut, en fait. Si vous permettez, je vais vous poser quelques questions un peu indiscrètes. Comment envisagez-vous votre avenir personnel ? Est-ce que vous comptez fonder une famille, un foyer ? Oui, c'est un de mes voeux, plus tard, parce qu'actuellement, je vais être obligée justement de partir. Et lorsque je serai un peu plus stable, j'estime que la famille est assez importante. C'est une base très importante pour les enfants. Donc je compte fonder un foyer et j'espère pouvoir allier mon métier avec ma famille. Je pense que c'est possible, étant donné que mes parents ont été amenés à bouger assez fréquemment et ça s'est très très bien passé. Donc, vous ne feriez pas le choix entre la vie professionnelle et la vie de famille ? Absolument pas. J'estime que ce sera assez difficile, étant donné qu'on sera peu au foyer, puisque le métier va nous prendre quand même beaucoup de temps, mais il suffit d'être là au moment important et ça va bien se passer, je pense. On va changer un petit peu de sujet. Parlez-moi de vos passions, de vos loisirs. Alors, j'ai une passion, qui est le parachutisme, qui me prend énormément de temps, plus mes études, donc je ne peux pas faire d'autres sports, mis à part le parachutisme. Où pratiquez-vous le parachutisme ? Je le pratique à Bergerac, dans le sud-ouest de la France. J'estime que c'est une bonne école, et donc j'y reste, j'y suis depuis déjà 10 années. Et bon, maintenant ça va s'arrêter, mais je pense y revenir plus tard, oui. Vous avez commencé très tôt alors ? J'ai commencé dès 13 ans. J'ai attendu d'avoir l'âge légal pour pouvoir le pratiquer tout seul, c'est-à-dire 16 ans. Et depuis, j'en fais très régulièrement. Vous aimez lire ? Oui, j'aime beaucoup lire. Mais étant donné que les études me prennent pas mal de temps, j'essaie de pendant les vacances, de lire le plus possible. Mais c'est vraiment un de mes passe-temps favoris. Mon frère Yann. Bonjour. Bonjour. Donc Yann, vous partagez cet appartement avec votre sœur. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, on a une très bonne organisation, parce qu'on se chamaille un peu, alors on fait des tours de rôle, par exemple, pour la musique, pour la télé, par semaine, pour la cuisine également, même si on aime ça, on aime bien faire des tours de rôle aussi. Par exemple, pour la télé, on fait une semaine l'un, une semaine l'autre, pour la cuisine également, voilà. Vous aimez faire la cuisine ? J'aime ça, oui, j'aime beaucoup. Ouais. Et les courses ? Les courses, c'est à tour de rôle, bon, on n'aime pas trop ça, ça fait perdre du temps, mais... Bon, et puis on n'aime pas les mêmes produits, alors. Ouais. Chacun son tour. Voilà, ouais. C'est organisé. C'est vrai ? Vous partagez vraiment les tâches ? Oui, oui, on se les partage, puisqu'on a tendance à se chamailler beaucoup, donc on évite les sujets de discorde pour vivre le mieux possible à tous les deux. Sophie et son frère Yann ne s'entendent pas toujours très bien. Il est difficile, quand on partage un appartement, de ne pas se chamailler de temps en temps, de ne pas se disputer. Yann et Sophie ont donc décidé de tout faire à tour de rôle, chacun leur tour. Une semaine les courses, une semaine la télé, une semaine la musique. C'est bien organisé. Sophie sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard, partir. À son avis, Bordeaux est assez limité en matière de travail. Il n'y a pas pour elle de grandes possibilités. Alors, ce sera sans doute l'étranger, en espérant ne pas être déçue. L'étranger, elle connaît bien.
Comme son père était militaire de carrière, elle a beaucoup bougé dans son enfance. Et elle est allée jusqu'à Tahiti. Sophie sait que son domaine, la restauration, est difficile pour une femme. Qu'elle entre dans un milieu machiste, un milieu très masculin, très conservateur. Mais elle n'a pas peur de ses difficultés. Sur le plan privé, les projets sont clairs. Sophie espère pouvoir fonder un foyer, une famille, dans quelques années. Mais elle ne quittera pas pour autant son travail. Sophie a une passion, le parachutisme. Elle pratique ce sport seule déjà depuis l'âge de 16 ans, âge légal, autorisé. Mais elle sait aussi qu'un jour, elle devra arrêter ce sport pour se consacrer à son travail. Dans ce que nous a raconté Sophie, j'ai noté les phrases suivantes. Je compte fonder un foyer. Je compte fonder un foyer. J'espère pouvoir allier mon métier avec ma famille. J'espère pouvoir allier mon métier avec ma famille. J'ai une passion qui est le parachutisme. J'ai une passion qui est le parachutisme. Allons rendre visite à Enrique Garcia, étudiant en BTS d'hôtellerie. Il va nous parler de sa formation, un BEP, un brevet d'études professionnelles, puis un BTH, un baccalauréat technologique hôtellerie. Enrique va nous raconter ce qu'il a pu faire au cours de son dernier stage. Approfondir ses connaissances en anglais. Anticiper, c'est-à-dire aller au-devant des besoins de la clientèle. Et enfin, côtoyer des vedettes, ce qui veut dire qu'il a pu rencontrer des gens célèbres. Mais écoutez plutôt. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Au revoir, madame. Monsieur Enrique Garcia ? Oui. Bonjour, je vous ai dit au téléphone que j'aimerais vous poser quelques questions. Oui. En particulier, pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans l'hôtellerie ? Alors tout d'abord, il faudrait que je dise que j'ai suivi une longue formation, c'est-à-dire que j'ai commencé par un BEP, ensuite un BTH, et j'avais choisi une option restauration. Et pour me spécialiser dans une autre branche, pour avoir de plus grands horizons, j'ai choisi l'hôtellerie. Vous avez fait, je crois, de nombreuses expériences pratiques. Qu'en avez-vous retiré ? J'ai fait de nombreux stages dans le domaine de la restauration, c'est-à-dire le service. Là, j'ai pu apprendre que la vie entre le lycée et la vie courante n'est pas toujours pareille. Alors, j'ai pu approfondir mes connaissances en anglais et connaître les gens, anticiper leurs besoins, leurs envies. Et là, j'ai pu effectuer cette année un stage dans le domaine, mon option, l'hébergement. Et j'ai pu côtoyer de nombreuses vedettes, des personnalités. J'ai pu voir le travail d'une grande entreprise, puisqu'il y avait presque 400 employés. Et mes perspectives futures sont de travailler soit dans un pays de langue anglaise, ou plutôt dans un pays de langue espagnole, puisque j'ai déjà cet acquis, c'est-à-dire que je parle couramment l'espagnol. Donc l'Espagne ou l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud ? Oui, voilà. L'un des deux. D'accord, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Il est 4 heures. Enrique, Yann et son amie Stéphanie ont rendez-vous avec Sophie au café Le Dijon. Stéphanie aussi est étudiante au lycée hôtelier de Talence. Voici donc les futurs restaurateurs et hôteliers de France. Après le traditionnel café et un peu de bavardage, nos quatre étudiants ont décidé d'aller au cinéma, activité fort appréciée des Bordelais et des Français. Germinal est à l'affiche, d'après l'œuvre d'Émile Zola. L'histoire des révolutions industrielles et surtout sociales du siècle dernier intéresse encore et toujours le public. Bonjour.
Quittons-la, Sophie, Yann et leurs amis. Pour ma part, je vous dis au revoir en vous proposant une courte excursion du côté des vignobles bordelais. Vous y entendrez parler de bancs des vendanges, de crus et de chais. Le banc des vendanges, Beginn der Weinlese. Le cru, Gewächs, Sorte. Le chais, Weinkeller. Vous êtes prêts? Alors on y va. Saint-Émilion, une petite ville au cœur du vignoble bordelais. Deux fois par an, la Jurade, une délégation d'experts en vin, se rencontre ici. Au mois de mai, pour proclamer le jugement du vin nouveau, et le troisième dimanche du mois de septembre, pour proclamer, du haut de la Tour du Roi, le banc des vendanges. Le vignoble bordelais couvre 113 000 hectares. En moyenne, 660 millions de bouteilles sont produites par an, dont 75% de vin rouge. Un actif sur six vit de près ou de loin de la viticulture. Les vins de Bordeaux sont catégorisés de façon très précise. Il y a différentes appellations et classements. Des premiers grands crus aux crus bourgeois, des vins supérieurs aux simples Bordeaux. Allons visiter un des chais. Le maître de chais surveille la fermentation du vin, sa mise en barrique et le travail en chais jusqu'à l'embouteillage. Le vin a-t-il déjà du bouquet? Les Bordeaux demandent un vieillissement assez long, une bouteille de vin vieux, un millésime de 1888. Le château Malesco-Saint-Exupéry. En bordelais, le terme de château désigne un domaine viticole. Le château Margaux. Il y a environ 4000 châteaux d'appellation Bordeaux. Les rosiers qui poussent à côté de la vigne sont un signe de qualité.